Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire une perruque crochet. Bon, je me suis inspirée de la coiffure de la youtubeuse américaine Alia Chi. Tout dernièrement elle a fait une coiffure, c'était une less wig qu'elle a faite et puis elle a coupé le côté. Ça m'a vraiment plu, raison pour laquelle j'ai voulu aussi la faire mais en crochet. J'espère que je ne vais pas massacrer le modèle. Oh, vraiment. Je voulais vraiment réaliser cette coiffure. Sa couleur, je n'ai pas trouvé ça dans les mèches Darling. Je n'ai pas trouvé là, cette couleur-là. J'ai juste trouvé un vert bouteille. Voilà. C'est ce vert-là que j'ai trouvé. Et j'ai pris deux paquets de mèches. J'ai coupé l'arrière en deux. Mais au niveau de la tuile, j'ai coupé la mèche en trois parties. N'oubliez pas surtout de bien tirer votre bonnet avec des épingletés. Alors voilà ma tuile en dentelle suisse que je vais bien positionner. Je vais une raie de côté. Je vais une raie de côté. Vraiment pour laquelle j'ai pas mis ça au milieu. J'ai un peu décalé ma dentelle. Voilà. Et je vais pincer avec les épingletés. Et vu que je ne veux pas coudre ma tuile, je vais faire les crochets tout autour et après couper avec un ciseau le bonnet qui va se trouver en dessous. Et je vous rappelle encore, au niveau de la tuile, la mèche, je l'ai coupée en trois parties égales. Comme je l'ai toujours dit, je commence par suivre la trajectoire de ma raie. Comme ça, je me repère plus vite. Et c'est encore plus facile. Du coup,
Après avoir suivi la trajectoire, il ne me reste plus qu'à remplir l'arrière. Comme toujours, pour faire un bon crochet, il suffit seulement d'ouvrir son crochet, de le faire entrer dans la tuile ou bien dans le bonnet, de mettre une mèche sélectionnée dans le crochet, de le refermer et ensuite le refaire sortir avec la mèche à l'intérieur et le crochet fermé. Et je reviens encore prendre ma mèche que j'avais sélectionnée au-dessus de ma tuile ou de mon bonnet et de former simplement mon nœud. On continue.
pour les baby hair, les mèches doivent être très fines. Et il doit aussi avoir beaucoup d'espace entre elles, mes chéries. Alors, le travail au niveau de ma tuile est terminé. Nous allons passer à l'arrière. Voilà. Bon, à ce niveau, ma mèche, je l'ai coupée en deux parties égales. En fait, je voulais une perruque longue. Raison pour laquelle, derrière, je l'ai coupée en deux. Donc, si vous voulez que ce soit court, vous pouvez couper en trois ou en quatre. Mais devant doit être un peu plus court que l'arrière. C'est ça, mes chéris. Pour avoir un effet dégradé.
Alors, j'ai préféré d'abord mettre la perruque sur ma tête pour bien prendre les mesures avant de couper. Voilà. Pour que ça ne soit pas court ou bien je sais pas comment. Mais j'ai préféré d'abord mettre ça bon, sur ma tête. Peut-être vraiment sûr. Et après terminer sur la tête malléable. Une fois terminé, je vais d'abord faire mon brushing avec ma brosse et après je vais lisser avec mon fer plat. Le résultat n'est pas mal. Hein? Bon, à vous de me dire si c'est que j'ai réussi ou pas. En tout cas, j'ai essayé. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Surtout, je vous demande encore, partagez cette vidéo, je vous en prie. Partagez. Abonnez-vous pour ne plus rien rater. Likez et laissez vos messages, vos beaux messages en commentaire. Bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo.